Voilà, justement, là, je viens de m'arrêter et j'ai fait mieux que ça. Là, je suis en train de, vu qu'il y a pas mal de monde aujourd'hui, là, je suis en train de m'amuser à faire une petite vidéo. Voilà, là, donc là, je suis garé à côté de Decathlon et je suis en train de vous filmer, quoi. Ah, je suis trois coups. Ah, ok. Mais je pense que j'ai une queue qui t'attend pas. Parce que je vais aller de mon côté, ça tout petit. Mais c'est une queue, je vais plus t'attendre. Ouais, mais c'est pareil, je n'entends pas le nouveau. Eh bien, les bonnes 73, justement, la toute nouvelle station là qui vient d'arriver, là, tout neuf d'aujourd'hui, apparemment. Et surtout, je sais plus ce que je voulais dire. Hachis trois coups, retour de micro. Et les Américains qui passent en même temps là qu'on entend derrière. Ah, excuse-moi, Beltoise, j'étais surmodulé, enfin, ou plutôt, ou l'inverse, enfin bref, on a parlé en même temps, chi trois coups. Beltoise, tu as encore des petits problèmes de l'arcelle là en ce moment, hein? Et Beltoise, tu as toujours tes problèmes, c'est-à-dire tu as tes problèmes de l'arcelle là qui sont revenus. Aïe, 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 aïe. Là, je suis au niveau de Décathlon, là, bord de lac, et tu me casses les oreilles, là. Ah, on voit qui c'est la station la plus importante de Bordeaux, hein, Hachis trois coups, hein. Et ça, depuis les années 80, hein, parce que là, je t'ai toujours entendu, hein, depuis ce moment-là. Hein. T'es toujours passé par-dessus tout le monde, toi, hein. Les stations qui sont pas cutéraux, mais sympathiques.
Affirmatif, effectivement, je confirme. Et c'est vrai que ça n'a jamais baissé, là, de... La forme n'a jamais baissé depuis, hein. Ah oui, et tu t'y connais bien dans le domaine du dépannage CB? Oui, effectivement, parce que j'ai juste une question comme ça. J'ai un ami qui est sur le 77 sans QRZ, c'est Demir 18. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il avait comme poste? C'est ces postes de nouvelle génération, tu sais, t'as un système de codage, quand tu le mets en marche, c'est un dispositif de sécurité qu'il y a dessus. Et bien ce truc il fait chier quoi. Est-ce que t'as une idée, une solution, enfin quelque chose, une idée en tête justement pour virer ça, quoi? Mais je sais pas trop exactement. Je crois que plutôt il ne veut pas prendre le code en compte, le bon code en compte. Ça serait plutôt une connerie dans ce genre-là, quoi. J'aurais bien envie de lui dire que la meilleure solution, c'est que son poste, hein, il le jette à la poubelle, hein, et puis il en reprend un autre, hein, parce que plus c'est moderne, plus c'est chiant, hein, c'est bien connu ça. Bon, les stations, je vais vous laisser faire là vos essais. Donc, les bonnes 73 à vous, bonne fin de dimanche, et à la prochaine en fréquence. Et JFK, si t'arrives à m'entendre malgré tout, eh bien, qui sait, peut-être que je t'entendrai demain matin en débauchant. Allez, bye à tous, à la prochaine. Ah oui, ça m'étonne pas, Beltoise, parce que là, un problème d'antenne qui te déclenche du larcel, là, je trouvais ça bizarre. Là, c'était plus un problème de masse, et effectivement, tu l'as trouvé, quoi. Ok, allez, je vous laisse tous, bonne fin de dimanche à tous, amusez-vous bien, et à la prochaine. Et là, c'est le grand, je suis à
7-7. Ouais, en fait, c'est pareil, mais la radio, elle est...